Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour un épisode un petit peu spécial étant donné que c'est une vidéo sur un genre de jeu auquel je ne joue jamais d'habitude, c'est les FPS. Mais en ce moment, je joue pas mal, depuis en fait sa sortie, je joue pas mal à Overwatch et j'ai enfin pu faire de la capture correcte grâce à Shadowplay. Donc je me suis dit, étant donné qu'en ce moment, il y a enfin pour moi, c'est la sortie de la saison 3 et que j'en avais un petit peu marre de jouer OTP Merci, donc je vous montrerai un petit peu ce que c'est qu'être OTP. Sur Ange, donc merci en anglais, sur ce jeu. Donc c'est une vidéo qui n'est pas faite pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Bon, soyons clairs, voilà. Je m'entraîne actuellement à tirer plus, à tirer plus droit, à tirer plus dans la bonne direction, c'est-à-dire que j'entraîne mon aim. Et pour ça, je fais des petites parties. Et donc je me suis dit, pourquoi pas vous partager une petite session d'entraînement, étant donné que eh ben, je n'ai pas encore eu le temps de tourner correctement tous les let's play qui vont arriver, donc voilà. Petit épisode de meublage, je suis désolé, vous inquiétez pas, dans 4 jours, il y aura normalement un let's play qui sera là, vous inquiétez pas. Mais donc voilà, un petit épisode de meublage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en penserez, et puis nous, on va partir sur une ou deux games, ça va être plutôt cool. Donc voilà, nous sommes en jeu, vous voyez aussi la petite caméra en bas à droite, j'espère qu'elle ne nous cachera pas tout, je la virerai s'il y a un problème. Mais normalement, il y a la caméra juste en bas à droite et c'est plutôt cool. Allez, on va partir. Donc, on va aller sur le mode arcade parce qu'on va pas faire du compétitif. Hein, je suis suffisamment nul pour pas avoir problème. Enfin, pour avoir des gros problèmes si j'y vais en solo queue. Hein, je préfère aller à plusieurs en compétitif avec une équipe en voice chat. Tout ça, c'est quand même mieux. Je veux juste vous montrer pourquoi j'aimerais bien entraîner mon aim. Alors voilà mes stats en partie rapide. Donc merci, c'est donc Ange en français, c'est le perso sur lequel je joue le plus en compétitif. Mes stats en partie rapide, elles sont à peu près équilibrées entre guillemets. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait beaucoup. La compétition saison 1, on voit que sur 34 heures, j'en ai fait 4 heures avec Ange, c'était à peu près équilibré. Maintenant, on passe à la compétition saison 2 qui vient de se terminer pour moi il y a pas longtemps. Voilà, 32 heures sur 47 heures, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même gros OTP de mes deux. On voit que je joue beaucoup de perso de heal. C'est voilà, j'aime beaucoup le gameplay de Mercy, c'est pas un problème, j'aime particulièrement la jouer. Mais sauf que des fois, quand il faufile, quand la Mercy est prise par quelqu'un d'autre, même si c'est très rare, il faut que je joue d'autres choses. Donc je peux jouer Chopper, c'est pas un problème, mais j'aimerais bien pouvoir apprendre à jouer un perso qui n'est pas un perso de heal. Donc je me suis dit, autant essayer d'entraîner le perso celui le plus. Comment dire, qui tire le plus droit, avec le plus de X-Can, ce qui s'appelle en fait. Quand on tire à un endroit, la balle va instantanément vers la cible, donc il n'y a pas de délai, quoi que ce soit, donc c'est vraiment de la visée pure. C'est McCree, le cowboy au grand cœur. Et donc on va s'entraîner sur le mode sans limite pour pouvoir être sûr de le pick, sachant que je vais essayer en fait de faire défense, je joue Rodog parce que le McCree en défense, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve. Enfin, en tout cas, j'y arrive beaucoup moins bien. Rodog en défense, donc un tank avec du Gram, ça je suis plutôt pas mal dessus je pense. Des fois je pue la merde aussi, mais ça arrive, hein, comme tous les persos. Et McCree, je le prendrai en attaque. Donc voilà, on va partir là-dessus. J'espère que la caméra ne me cachera pas trop, parce qu'en fait je la vois aussi grâce à Nvidia Shadowplay, la caméra est aussi en bas à droite. J'espère qu'elle ne cachera pas mes munitions. S'il faut, je la mettrai ailleurs, hein, peut-être en haut à gauche, je sais pas. Je ne sais point. On verra bien. En tout cas, je vous retrouve dès que j'aurai trouvé une partie. Allez, c'est y part, nous sommes partis sur l'usine Volskaya. La question c'est attaque ou défense? Attaque. Donc on part sur un petit McCree en espérant qu'en face il fasse pas full Torbjorn parce que c'est vraiment cancéreux même en sans limite. Et pas trop le choix, j'ai pas envie de faire de la partie rapide parce que. Oula, full soldier. Pourquoi pas? Le truc c'est que si je fais de la partie rapide à mon stade, eh ben je vais être la cinquième roue de la voiture, quoi, donc bon. C'est pas ouf. Ou la septième roue de l'équipe. Voilà, c'est le perso qui sert à rien. Du coup, je préfère faire La justice ne va pas en sans partie sans limite, parce que au moins, je n'ai déjà pas la restriction du personnage. Oh, bah tiens, c'est pas arrivé. Ok, c'est bon. Je n'ai pas la restriction du personnage, mais en plus, j'évite. Enfin, généralement. Les gens sont plus coulants avec les persos un peu nuls, enfin les mecs avec une mauvaise aim ou des trucs comme ça. Donc je préviens, je fais le gros connard, c'est-à-dire que je file pas l'équipe, je prends pas de tank, je prends pas de UR, sauf si vraiment je sens que ça coince et qu'on passera pas, genre par exemple s'il y a full Torbjorn, ben, je passerai sur une diva et puis on verra bien.
De toute façon, ce que je voudrais principalement, c'est surtout vous partager un petit peu des expériences de jeu, comment moi je joue, tout ça. Parce que j'apprécie quand même beaucoup Overwatch, j'y passe pas mal de temps en ce moment. Peut-être un peu moins qu'avant, mais c'est parce que j'ai aussi beaucoup de choses à faire de... à côté. Ah, un Rodog. Allez. Alors toi, t'as fait de la merde. On lui a mis tellement cher. Alors, là il y a tourelle dans tous les sens, ça va être drôle. Ah putain. Voilà. Oh, je suis pas dégueulasse pour une fois. Ah putain. Ouais, il y a trop de toiles. Ah mais il me tire dessus là. Waouh. Je le voyais pas mais il y avait le... Oh putain, il m'attendait. Bon. C'est pas ouf, ouf. Bon, c'est encore des gros connards à prendre 5 milliards de Torbjorn. Bon, j'espère que ça va aller. On a des gros soldiers qui sont quand même bien pétés en ce moment. Soldier, c'est quand même bien strong. Objectif en cours de capture. S'il faut, je passerai sur une diva, mais pas, je pense pas avant la 2 minutes restant en temps. Boum! Oula! Petite tourelle là-bas. Ah, quelqu'un. Bim! Je suis pas si dégueu là pour une fois. Je suis même particulièrement bon parce que c'est pas du tout le genre de... J'arrive pas du tout comme ça d'habitude. Hein. Là, je vous préviens, c'est peut-être le syndrome du live, mais d'habitude je suis plutôt à... Là je suis à quoi, 42% de précision, d'habitude je suis plutôt à 18. Ce qui est quand même particulièrement dégueu, on va pas se le cacher. Alors je vais essayer de monter par là avec eux, sur une plateforme. Un petit Dead Eye, ça peut être pas mal. Ah putain, une... Je vais les attendre peut-être. On va y aller à plusieurs. Putain, ils sont fait bug. Une dernière volonté. Ok, plus de torbe. J'aurais peut-être dû attendre. Wow. Oh, non. Quoi? J'avais pas pris de pack? Ou il était en reload? Ouais, je vais voir parce que c'est bizarre ça. Ah, je l'ai pas pris. Oh, le con. D'accord, ouais, c'est ma faute. Mais j'ai pas pris de pack. Ils ont pris... Oh oui. Ils ont pris deux putains de Rodog. Oh, je suis dégueulasse. Le problème, c'est que à cette disposition-là, j'ai toujours un peu de mal. L'autre connard, là. Ah. Putain, j'aurais voulu m'approcher et lui mettre une flash blanche, mais je suis pas arrivé. Le problème c'est que là la Phara elle sert pas à grand chose parce qu'elle se fait poke par toutes les tourelles. Bon, il y en a que deux, mais bon, on sait déjà que le play of the game ça sera un Torbjorn qui tape sur la tourelle. Super. Touché. Le problème c'est que McCree c'est quand même un perso qui demande énormément de comment ça s'appelle, de précision sur son aim, parce que c'est headshot ou rien en fait hein. Tellement mal. Mais non, on y va pas. Pourquoi t'y aller? Ah. Oh putain, dommage. Je pensais pas en fait. Je pensais que le grave fonctionnerait. What? Disparu les. Ah, dommage. Je vais me faire poke. C'est pas ouf. Je suis actuellement un peu l'homme dégueu. Bon, il y a l'autre connard là-haut. Ah putain, non.
Donc voilà, le passage au début, j'étais bien, mais alors là, je suis plus bien du tout. Alors, ils ont tué ce putain de... Bon, je pense que je vais essayer de recharger mon ulti et après je vais y aller à coup de D.Va. D.Va, c'est tellement fort. Allez, il n'y a plus de toutou. Les grosses cibles faciles, c'est gentil là. Et... Oh! Non, mais ça va bien là, des poutres à la con là de. Le Jaco. Surtout qu'il a toujours pas lancé son ulti, ça m'étonne. Il va se faire poke. Putain, il m'énerve ce Hanzo, on peut pas vraiment aller le chercher. En tout cas, la Pharah s'en occupe pas alors que. C'est vrai pourtant. Si j'arrive à prendre la position en hauteur, peut-être moyen que je fasse un joli dédaille. Ah putain. Je suis dégueulasse. Ah, pas le temps. J'ai pas eu le temps de les lock correctement. Bon, le Torbjorn m'énerve, je vais passer sur une D.Va, tant pis. Hein. Ça va au moins m'améliorer mon tracking. Je joue pour gagner. Ah oh, putain, il s'en sort à 2 PV. Toi, t'as... Ah, j'allais dire, il a fait le con, mais en fait, non. Waouh. Tellement de DPS dans tous les sens. Alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils calent leurs ultis, là, les deux soldats. Sans se faire buter à la chaîne. J'y arrive pas vraiment. Bim. Wow. Ah. Oh, oh, oh. Il s'est passé quoi? Je suis parti tellement loin, j'ai pas compris. Ah merde. Ah. Est-ce qu'ils arriveraient à faire quelque chose? Ah oh, putain, il a un peu raté son ulti. Allez, faites quelque chose. Ah, il balance. Ah oui, cool. Mon ulti est en train de se charger. Et oui, c'est la win, c'est le GG. Ah, voilà, il fallait que je passe sur une D.Va. Bon, j'ai pas fait énormément de choses avec ma D.Va, mais au moins j'ai fait une ouverture. Ils ont pu enchaîner derrière. On va dire ça, hein. Eh ben c'est plutôt cool, donc c'était finalement, c'est pas un Torbjorn, c'est un Soda Sunset. Ouais bah c'est le dernier ulti de ce solide. Bon après c'est un peu retard le Soldier 76 en ce moment là, avec les dégâts complètement insane qu'il est en train de faire. C'est fou, en fait 20 dommages par boulette, dans le corps, ah, ça fait vite mal hein, parce que bon, avec des persos à 200 PV, bah ils s'en prennent 10 et c'est fini. C'est un peu fort, moi je trouve. Soldier 76 pour l'instant, c'est encore un peu fort. J'aimerais bien qu'il y ait peut-être un petit nerf. Genre, le passer à 19, ça permettrait de survivre déjà un poil plus. On gagnerait une balle. Ce qui est cool. Enfin voilà. Donc, next game, en espérant qu'on rejoue en défense, je vais la jouer avec Chopper. Donc, c'est parti. Chopper. Ah merde, quelqu'un qui s'est barré. Alors. Bad merci. Par pure curiosité. Ok, merci. D'accord. Elle joue en saison 2? Merci. Ah, le bon de TP, merci. Non, pas trop, pas trop. Beaucoup moins que moi, en tout cas. Beaucoup moins. Mais quand même. Les gens qui jouent merci généralement ils savent qu'ils vont se faire entuber. Hein. Clairement,
Le nombre de fois où je me suis retrouvé à faire « What the fuck, merci, what are you doing ?» et tout. Ce qui est chiant, c'est que les gens, ils veulent avoir une merci, mais ils veulent avoir un healer, mais en même temps, ils veulent pas que... ils veulent pas le jouer. Du coup, forcément, ceux qui s'y filent, il faut qu'ils fassent le taf. Hein. Et sinon, ils se font insulter, c'est super. D'ailleurs, j'avais vu une image, je crois que c'était sur 9gag ou un truc comme ça. Merci, c'était comme une maman qui s'occupait d'une vingtaine d'enfants complètement attardés, qui arrêtait pas de l'insulter dans tous les sens. Je trouvais l'image assez explicite, assez ressemblante du vrai rôle de Merci dans la game. Et je dois avouer que je me suis aussi récompensé. Le nombre de fois où... le nombre de fois où... où les gens m'ont dit c'est super, la merci a super bien joué, et j'étais plutôt heureux. Pourquoi suicide? Ah! Ah putain. Alors l'Azaria qui va shield dans tous les sens, le Reinhardt, je vais galérer hein, pour les grabs. Toi t'es mort aussi. Il faut que je m'aille instantanément. Toi t'es mort. Baroud d'honneur, j'en ai tué 3. Hein? Après, faire ce qu'il faut. Hein. Ouais, j'ai cru qu'il y avait suicide. Voilà, donc je suis plutôt pas mal. Le Macri en face, il a pas dû bien aimer mon clic droit là. Ah. Moi j'apprécie. J'apprécie beaucoup. Oh là, ils font le café. Petit live en face, je pense que. Ça c'est chiant aussi, les mecs qui live juste parce que la game. Ils meurent la première fois durant la game. C'est un peu relou. Oh, c'est quoi cette range? Elle a plus de range que moi sur mon hook. Par contre, je crois qu'ils ont pas de healer. Ah si. Le singe. Ha! Ah putain! Qui charge l'Azaria comme un porc là? Oh là là. Bon après, c'est pas une vidéo qui est faite pour ceux qui ne connaissent pas Overwatch. Peut-être que j'en ferai une un jour, mais. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, ça va être un petit peu le bordel. Mais je vous assure, c'est vraiment un jeu super fun. Hein. Moi je me fais beaucoup plaisir. Certains diront qu'il a pas assez de map, mais franchement je trouve qu'il a plein de mises à jour régulières qui sont plutôt cool. Oula oula. Ah non, c'est con. Coucou Lucio. Coucou. Ah putain. La bonne trappe qui fait bien mal. Elle a pas dû apprécier. Bon, j'ai un peu overkill là du coup. Ah putain. J'ai tenté de le prévoir. Je suis pas bien arrivé. Oh, tu m'énerves toi. Alors une diva. Ah putain! Je vais me faire poke. Ah, ils ont mis du son. Ah! Ça va être vite compliqué. Ils balancent tous les ultis. Ok, c'est mort. Bon. Ah, peut-être pas en fait, parce qu'ils ont fait double kill derrière. Ah ouais, ouais, ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué, mais ça peut être passable. Non, ça, ils vont le prendre. Ah ? Il capture la position. Faut tout faire sauter. Tous. Pas la pression. Non, ils vont caper, je pense. Travaillons en équipe, mes amis. On se regroupe. Ils vont se caper. Bon, ok, on recule. On recule. Raté. Wouah.
m'a sauvé la vie, merci Junkrat. Oh la vache, ça fait tellement mal. Aïe aïe aïe, on n'a pas de bouclier. Ah. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Boum. Ah putain, j'ai un peu overextend. Ça c'est fait. Ah putain, Genjin met des couilles. Qu'est-ce que je peux haïr les Genji. C'est inchoppable, surtout avec mon aim. Le problème c'est que c'est un perso qui est capable de virer tout un, toute une équipe facilement avec son ulti. C'est-à-dire qu'il... C'est pas comme D.Va où c'est vraiment contrable assez facilement. Oh putain, non, ça c'était facile quand même. Oh, je l'ai miné. Ah. Putain, je suis pas bien. Allez, elle a 2 PV là. Oh putain, ça va être compliqué toute cette histoire. Ubercharge, Lazaria. Non, je pense que ça va être fini. À moins d'un ulti extrêmement bien placé de Junkrat. Ah putain. Ah. Putain, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ah. Junkrat reste en vie. Ah putain, c'est tellement temps d'axe. Ont tellement de persos d'attaque qui flanquent dans tous les sens, c'est un enfer. Ah, je pensais. Ta gueule, ta gueule. Voilà, je déteste ton ulti. T'as pris tellement cher. T'as payé pour tous les autres. Je suis désolé. En fait non, je suis pas désolé du tout, mais... Ah mais putain, Tresseur. Elle a pas la gérer, dis donc. Voilà. Ah. En tout cas, il a bien dû rager le Genji. Parce qu'il a claqué son ulti pour pas grand chose. Enfin, du coup, moi je l'ai fini. Lui sûr qui s'est barré, j'ai raté mon grab, c'était débile. Oh putain, c'est passé quoi? Je suis pas du tout au bon endroit. Il y a une fatale en face, faudra faire vraiment gaffe. Ah cool, il n'y a plus de fatale. Bon, chez nous on a 2 fatales qui font le café, ça a l'air d'aller. Voilà, plus de Genji. Il arrêterait de faire dans tous les sens. Oh! Alors là, c'était un joli dodge, je dois avouer. Ah, voilà. Bon, moi, je suis mort. Elle m'a tout mis. Ah, Tresseur, elle joue vraiment bien. Hein. Pas du tout comme moi quand je joue Tresseur. Ouais, Tresseur. Quand je joue Tresseur, je joue beaucoup moins bien. Ah! Ah! Dommage. Je suis désolé, la fatale elle s'est faite buter avant moi, avant que j'ai pu la tuer. Ils se font un peu rouler dessus. Oh! D'accord, ça reste dessus, hein, ça c'est sympa à savoir ça. Elle a pas dû aimer. Là elle a pas dû aimer du tout. Là, je lui ai fait un truc. C'était pas très gentil. On sait qu'ils arrivent par là. Ah,
Non! J'ai cru que j'en étais sorti! J'ai cru que j'en étais sorti! Dommage. Ah putain. Allez, ça peut swing. Alors, Flux Tracer Nano Boost. Elle a déjà eu le Nano Boost? C'était rapide quand même là, non? Ah, soldier stupide! Putain, c'est chaud. Attention, McCree derrière. Oh, il lui a roulé dessus. Oh, c'est chaud, chaud, chaud. Oh là là, fait mal hein. Voilà quand même. Et ben voilà, 3 médailles d'or, ce qui est plutôt pas mal. Bon, on n'a pas la meilleure série de victimes du monde, mais c'était plutôt pas mal. Je sais quoi au niveau des stats, 38% de prix. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai fait mieux des fois. Hein. J'ai clairement fait mieux. Enfin voilà. Bon, c'était plutôt sympa. Je pense que deux games, on va s'arrêter là pour ça. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Hein, si vous trouvez que c'est de la merde, ok, d'accord, j'en ferai plus. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien vous montrer un peu de temps en temps autre chose. Bon, voilà. Moi, je vais up la fatale parce que sans elle, je pense que la 14 série, meilleure élimination, je pense que pas mal. Donc je disais, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà. Et puis j'en referai si ça vous plaît. Peut-être dans du compétitif avec des potes ou des trucs comme ça. Ça va être peut-être un peu plus sympa. En tout cas, on se retrouve normalement dans 4 jours pour un nouveau let's play. J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Et puis voilà. Allez, salut tout le monde. Portez-vous bien.